Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmil et bienvenue sur Hearthstone. Hop, je rapproche un peu le micro, comme ça vous m'entendrez mieux. D'aventure, hein, pas aventure, parce qu'on est quel jour? On est lundi. Putain, je sais plus quelle journée. Je suis bien, moi, je suis bien. Plus que 7. On va commencer avec le plateau vide. Allez voir mon assistante, elle vous expliquera tout. On va commencer par le plateau vide pour l'introduction de ma session, hein, puisqu'après on fera les deux, on finira avec les deux classiques, et après on passera au Dr. Boom. Donc les 4 prochaines vidéos, ça se résumera à la fin de miroir, enfin les 3 prochaines vidéos, pardon. Donc les deux fins, les fins de miroir et fins de plateau vide. Et après, ce sera tout. Si vous avez un doute pour une autre partie, allez voir mes vidéos précédentes. Vous aurez toutes les parties précédentes. Avec même du bras de fer fourni avec. Donc, plateau vide, on doit te bêter. C'est parti, je change. Donc, nous avons. Oula! Donc, qui peut attaquer? Qui peut faire quoi? 4, 12, 4, 5. Gardez-moi leurs âmes. J'ai des projets pour elles. 10-4. Me donne moins 3 d'attaque à tous les serviteurs adverses pendant ce tour. Ça m'intéresse. Change d'attaque et la vie d'un serviteur, de tous les serviteurs, donne moins 2 d'attaque pendant ce tour. Détruire un serviteur avec 5 d'attaque ou plus. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ça. Ah merde, c'est serviteur adverse, je suis trop con. Faut que je recommence. Je l'avais, mais je me suis juste planté, c'est serviteur adverse. Continuez. Collectez des âmes et laborieux, mais leur hurlement sont ouais, fait que je fasse ça. Donc, on a dit qu'on inversait l'attaque et la vie de tous les serviteurs. Ensuite, on détruisait un serviteur avec 5 d'attaque ou plus. On détruit ça avec ça, ça avec ça. Ensuite, on échange l'attaque et la vie de ce serviteur. Ah non, 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 non. Encore une fois, je me suis planté sur l'échange. C'est l'échange à zéro, mais je suis trop con. Donc, confusion. Je peux jouer avec ma confusion, merci. Donc, ensuite, on détruit ça. On détruit ça avec ça et ça avec ça. On échange l'attaque et la vie de ce serviteur, comme ça il passe à 2-5. Nos serviteurs ont 2 d'attaque ou moins, donc on détruit tout. Voilà, là on l'a. Là on l'a, j'espère que vous m'entendez. Par contre, j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. On va baisser un peu le son du jeu. Là ça devrait être pas mal, là, normalement. Là ça devrait être pas mal. Un point de dégâts à tous les serviteurs. Si l'un d'eux meurt, relance le sort à la place. Donc, si on passe celui-là à 5. 4, 2, 1, j'ai un point de dégâts, piocher une carte si ce serviteur est tenu. Voyons voir, ça fait quoi? Donc, 2, 3, 2. Là, ça devrait être. En théorie, ça devrait être pas mal. Là. Ah merde, 1. C'est lui qu'il faut que je. Ok, d'accord. Faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'abandonnez pas. Cela dit, si vous le faisiez, nous pourrions utiliser votre âme à la place. Donc. Déjà, tu vas attaquer ça avec ça. Lui, il passe à 4. 3. Et 2. Ensuite, lui, on va le passer à 2. Et lui, on va le passer à 6. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Là, on a 3. Là, on a ça. Là, on a ça. Et là, on est bon. Voilà. Enfin, il faut bien faire attention à ce que ça fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut bien qu'il y ait un point de vie de différence entre chacun des serviteurs. Et là, ça passe. Donc, nous avons quoi?
Râle d'agonie invoque une ombrette. Invoque une ombrette. Ensuite, nous avons Râle d'agonie invoque un golem. Et invoque ça et ça. Non, ça, je m'en fous. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Pas intéressant. Cri de guerre et râle d'agonie. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Ruée. Donc, déjà, tu vas me faire la ruée. La ruée contre lui. Ensuite, tu vas faire ça contre ça. Un point de dégâts à tous les serviteurs, c'est parfait. Ensuite, tu vas taper ça. Fais un point de dégâts, fais un point de dégâts à tous les serviteurs, donc 2, 3. Ah merde! Non, ça passe pas. Je vais leur rendre leurs âmes pour qu'on puisse recommencer. Il nous les faut toutes d'un coup. Parce que si je passe lui, non, lui ça sert à rien, donc lui est ok. Détruit un serviteur adverse blessé. Non, je l'ai. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Donc, ruée. Et ça. Ça. Ensuite, tu vas faire ça sur ça. Et non, je l'ai pas. C'est celui-là qui me manque. C'est celui-là qu'il faut que je fasse sauter autrement. Et on va essayer autrement. Donc, Vorgan enragé et la hache. Donc, toi, tu passes à Râle d'agonie. Râle d'agonie, mais merde. 3, 4, 5, 6, ok. 3, 4, 5, 6. Ensuite, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Si vous avez 12 PV au moins, inflige 3 points de dégâts à la place. J'ai pas moyen d'avoir 12 PV, c'est ça le problème. J'ai pas moyen de faire autrement. 3. Non, j'ai pas moyen de faire autrement avec ça. Ça, c'était pas bon. Certains, c'était pas bon. Le compte d'âme n'est pas bon. Et si, attendez. On va juste faire un essai. On va faire ça. Ça. Ensuite, tu vas jouer. Ça. Ensuite, tu vas jouer. Ça. Et ensuite, tu vas jouer ça. Non, j'ai les deux golems qui vont pas. Nous devons récolter suffisamment d'âmes d'un coup. Recommencer. Donc, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Détruis un serviteur blessé. Ensuite, tu vas infliger un point de dégâts à tous les serviteurs. Et le problème, c'est que c'est lui que je peux pas supprimer. Il n'en reste qu'un. Il reste que lui. Donc, c'est que c'est pas dans cet ordre-là, hein, c'est logique. N'abandonnez pas. Cela dit, si vous le faisiez, nous pourrions utiliser. Attendez, attendons voir un peu. Non, ça c'est pas bon, ça on l'avait vu. Et j'ai pas moyen de m'infliger des points de vie, moi. Détruire un serviteur adverse blessé.
Ensuite, 1, 2. Le problème, c'est que je peux pas me débarrasser des deux après. 4, 5, 6, non, ça va pas. Le truc, c'est que je suis obligé de la jouer, celle-là. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas détruite. Donc il y a un mana que je joue mal. 4, 7, 10, non, 4. Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer ça, on va essayer donc. Commencer par ça. Ensuite, on va faire ça. Ça. Et là, je peux pas réattaquer avec une arme, c'est ça le problème. Et là, il manque un seul dégât. Il manque que elle à un dégât. Donc, il faut que j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà. Et merde, mais je l'ai trouvé. Par erreur. Faut voir avec le nombre de mana. Faut juste voir avec le nombre de mana. Faut garder les deux armes. En gros, faut garder les deux armes. Et détruisez la le serviteur blessé, c'est sur le 5-5. Un serviteur dans un serviteur, ça compte pour deux âmes. Hein? Convert plus 2 plus 2, un serviteur et provocation 2, 4, 6, ok. Le problème c'est qu'avec eux je peux pas attaquer. Ça, ça fait comme magnétisme, provocation, plus 5 s'il est blessé. Donc dans l'idéal, on va faire ça sur ça. Ensuite ça, on va taper avec ça. Ensuite il me reste quoi? Rien que je puisse faire. N'abandonnez pas. Cela dit, poulet provoqué. Et ça, ça fait quoi si je lui mets plus de provocation? Je vois pas en fait comment débarrasser des deux vies. Ils font quoi? Je vois pas comment m'en débarrasser. Le problème c'est ça que je vois pas, c'est comment les récupérer. Plus de provocations à lui. Toxicité à lui. Allons voir. Ensuite je fais ça. Je tape avec ça sur ça et ça sur ça. Non. Nous devons récolter suffisamment d'armes d'un coup. Le poulet provoqué, comment ça peut fonctionner? On n'a pas de carte à piocher. Il y en a que provocation là-dessus. Ça, faut que je le joue, c'est sûr. Non, t'es pas ça. Donc pour me débarrasser des poulets, il faut que je pète lui. Il faut que je pète la 4-4. Le problème c'est que si je passe... Ok, vu. Je
crois que je l'ai. Je crois que j'ai une idée. Donc tu tapes lui comme ça. Donc tu le passes à 8. Et il me reste les 1-3 et les 8-6. Non. Les 8-6, comment je peux m'en débarrasser de ces putains de 8-6? Parce que j'ai du magnétisme en face. Donc si je joue la contamination sur une D1-5, ça me détruit la 4-4, ça fait 2 dégâts. Donc ça dégage les poulets et eux passent à 8-6. Donc ça sert à rien. Si je joue plus de provocation sur ça, ça le passe en 3-5, ça sert à rien. Si je joue plus de provocation sur lui, ça se passe à 10. Je peux pas faire 10 dégâts. Il faudrait que je puisse les faire attaquer, mais je vois pas comment. Je vois pas comment. Parce que j'ai essayé beaucoup de solutions là et les solutions que j'ai essayées sont pas bonnes. Comment je pourrais faire ça? Bon, si je le passe en plus 2, ça sert encore à rien. Et si on bourre tout sur lui? Non. Non. Prendre leurs âmes pour qu'on puisse recommencer. Il nous les faut toutes d'un coup. Voyons voir. Donc on va essayer ça. Non. Le compte d'âme n'est pas bon. Donc on va essayer. Donc, la contamination sur l'abomination. Ensuite, on va lancer la marque du fauve sur un des poulets furieux. Avec le pouvoir héroïque, on l'envoie dessus. Et on voit votre... Et on envoie notre abomination ici. Il y a un effet que j'ai pas compris là. Attendez, il y a un effet que j'ai pas compris. Comment ça a marché là? Me dis pas que c'est ça réellement. Oh putain, je crois que j'ai compris. Ruée ajoute 2 étincelles 1 ruée dans votre main. Ok, je sens que ça va être rigolo. Vos mechas coûtent 1 de moins, crit de guerre réduit le crit. D'accord, donc on va commencer par lui. Lui. Et. Lui. Donc on va jouer lui. Magnétisme rué. Magnétisme rué. Et donne plus un méca allié. Non, c'était pas du tout ça. Déclenche ton rôle d'agoniste s'il en a un. Donc les mechas coûtent un cristal de moins. On va jouer lui. On va déclencher ça sur lui. Donc non, c'est pas dans cet ordre là. Donc. Lui, ça c'est gratuit. Donc ça c'est gratuit aussi.
Ensuite, tu vas me jouer ça. Ah merde. Voyons, juste le coup de mana. 2 et 2. Donc, hop. Ensuite, tu vas me jouer lui. Ah bah oui. Ensuite, magnétisme, magnétisme. Je crois que ça. C'est un mecha? Dommage. Dommage. Il manquait un des tanks. Donc ça et ça. Là, on réduit au max les coups de mana. Ensuite, on va jouer ça. Ça, ça, ça sur lui. Ensuite, tu vas me jouer ça sur lui. Et c'est pas bon. J'ai pas de solution pour lui infliger 3, donc c'est pas bon. Ah, moins que, attendez. Ça. Ça. Et ça. Tu fais... Ah non, je fais passer 4-3, donc je m'en fous un peu. Donc, ensuite, on va faire ça. 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 Donc, tu vas m'attaquer. Ça avec ça. Tu vas faire ça avec ça. (7-3, 7-5). Et il inflige que 2. Merde. Donc, Crit Gear se déclenche 2 fois. Ça, on le rajoute. Donc ça, ça réduit les coûts de mana. Donc, on rajoute ça. On y met ça. On lui donne +1/+1. Il passe à 3. Ensuite, on donne ça à lui. Et ça à lui. 2 et 2. Mais merde, c'est tout. Ah non, je peux pas attaquer avec lui, donc ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Faut que je mette obligatoirement un magnétisme rué sur lui. Donc ça. Et ça. Ça, c'est d'office, j'ai pas le choix. Ensuite, on doit mettre... ça. C'est sûr. Donne +1/+1 à un mecha allié. Ça, c'est certain. Et ça sur ça. Et on rajoute ça sur ça. Ensuite, on va rajouter ça sur ça. Et non, je suis juste trop con. Ou alors, il faudrait que je déclenche une seule fois son râle d'agonie. En déclenchant une seule fois son râle d'agonie et en le déclenchant 2 fois après, ce serait bon. Eh non, merde. Faudrait que j'arrive à me débarrasser
De 1 putain de dégâts. Il me faut un seul dégât, bordel. Mais leurs hurlements sont tellement gratifiants. Donc, Bran Barbe Rouge, Barbe Machin. Ensuite, le mouton explosif, on va réessayer ça comme ça. Le Lumi Loyal. Attendez. Attendez, il y a un truc bizarre là. Désolé, je m'étouffais. C'est rien. Et si mon siège arrêtait de se barrer, ça m'aiderait. Nous avons encore voilà. Ok, on va commencer à y arriver. Donc le mouton, ça on est bon. Puis on va jouer une lumi, un lumi sur le mouton. Le moutmout. On joue un robot skater à côté du moutmout. On joue l'artificiaire sur le moutmout. Un daquet, un charlin avec le mouton. Ah, c'était ça la connerie. Voilà. Ah putain, fallait le voir ça. Il y avait cette phase là qui était. Il y avait cette phase là qu'il fallait voir. La partie que je voyais pas au début, c'était qu'il fallait garder un robot skater pour la fin. Bon, ben on va s'arrêter là pour l'épisode je ne sais combien du projet Armageddon. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Rov11000.